Bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Net Santé, un d'accord pour l'épisode numéro 7 et nous sommes toujours avec un super sportif vert. Et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons essayer de faire un sans faute dans l'épisode numéro 6. J'espère gagner. Elles sont plus rapides que moi ou quoi? On va recommencer l'épreuve. Allez. Et là, cette fois-ci, on se concentre. Il a l'air vraiment... Wow. Parce que c'est très 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 en forme en vrai. Voilà. Ouais, c'est très bien. J'y arrive. Hop là. Vous voyez, c'est parce qu'on n'était pas... C'est parce que en fait je me concentre pas assez dans les courses. Mais là, regardez, hop là. Je sais pas mais... Wow. Un peu vite hein, quand on regarde. On va 222 km/h, waouh. Voilà, petite cascade de passage. Putain!
faire bloc l'or, poser. J'ai perdu, bah ouais, je sais. Donc c'est pour ça qu'on va la refaire. C'était bien, par exemple. Ça va pas me casser les couilles, j'espère. Ça va aller, cette fois-ci ça l'a fait la bonne. Parle pas beaucoup. Je préfère me concentrer à fond. Rattraper des perdus quand même. Bon, on va recommencer. Hop. Il m'énerve vraiment ce jeu. Allez, là, on y va. Allez, là, je ne parle pas du tout. Là, ça la route. La cascade que c'était faite, elle n'était pas prévue du tout. Et comme par hasard, je vais balancer la manette par terre encore une fois. Dans le mur.
T'as un cotonnage de bus de merde. Oh, je me demande si c'est du... si c'est une course urbaine ou si c'est une course où tout le monde se... Comme Destruction Derby par exemple. Là j'ai l'impression que c'est la Destruction Derby. Alors que non, c'est Need for Speed. Intercover. Oh, le bug que vient d'avoir. En fait, je ne vois pas mon défaut, c'est que je vais aller un peu trop vite. C'est mort. Bon. Mais dégage ! Bon, il m'énerve ce jeu. Je crois que c'est la dernière... Le dernier gameplay. Le dernier dessus. Dernier. Car franchement... Ce jeu me pète les couilles. Un truc de malade. Allez, go. Allez, là, on est carrément en avance sur eux. Allez. Allez, on ralentit un peu. On ralentit un peu, je dis. Putain, mais t'es con ou quoi? Ils me rattrapent, mais comment? Mais comment ils font, putain? Ils vont là, on se concentre. Allez, pas de voiture à l'horizon. Là, rien du tout. Hop là, allez. Hop. C'est bon, on a gagné. On a gagné jusqu'à... Je dis on a gagné, mais on n'est pas encore arrivé à la fin. Le fait que je me prenne une dernière voiture. Oui! Et bien enfin, après quelques petits énervements, un petit peu de cri de colère, on y arrive toujours. En fait, c'est parce que j'ai dit, oui, le jeu, s'il continue comme ça, je ne vais plus jouer. Donc il s'est dit, on va laisser gagner. Et c'est ce qui s'est passé.
Bon, allez, 5 points. Bon, ça devrait être facile. Allez. Allez, go. Désolé, mais je préfère passer par la route parce que les... Je vais passer par les sentiers. Non, merci. De mettre des trucs comme ça, franchement. Allez. Hop là. Ok. On va passer plus tard sur le TP. Toujours être emmerdé ici, toujours. Je vais même pas finir tranquille de ce qu'on fait. Ah. Voilà, on est les boss de leur terre, la réalité. Si j'ai fermé le volet de ce mois, c'est pour rester tranquille. J'ai pas envie que Mathilde ou quoi ils viennent. Donc, bref. Et ça sera sur YouTube de ce que je viens de dire. Je le ressortirai en replay si il faut comprendre. Pas écrit squat à domicile. C'est pas écrit squat. Bah, c'est ça que je voulais dire. Voilà, et encore une fois, on est premier. Et sur des grandes routes comme ça, moi j'aime bien. Bah, enfin, presque. Voilà. Voilà, alors que je vous fais la vidéo, il est exactement 17h13. Et chez moi, en fait, j'ai un truc comme nuage, désolé. C'est mon chien, vous l'avez entendu. Désolé si vous avez entendu ma sonnette. Mais ça, c'est pas très grave. En fait, c'est pour tout simplement pour vous dire que chez moi, on est toujours emmerdé. Parce qu'à croire que les gens n'ont pas de chez eux.
là, on prenne sûrement pour un squat. Parce qu'on passe leur zone. Parce qu'on passe leur zone. Adem. Adem, eh ben. Ils viennent squatter ici. Donc voilà. Et c'est ces personnes-là qui ont sonné à ma porte. Ma petite Cobel est. Attention. Voilà, je suis en train de m'énerver là. Ça va pas aller là. Ce soir, Espagne Soquet, je sais ça, ça n'a rien à voir avec Need for Speed Undercover, mais je tiens à préciser que ce soir, Espagne Soquet, qui va gagner, moi je dirais, allez, 2-1 pour l'Espagne, ouais, c'est une bonne équipe, et je donne une petite chance de marquer un petit but par la Turquie. Mais sinon, c'est l'Espagne qu'on va gagner. D'accord, ça. D'accord. Allez, c'est pas fun. Et moi, je veux qu'ils gagnent, c'est ça. Et je vous propose un duel sur l'autoroute. Bah oui, carrément, moi je veux. Moi, je veux un duel sur l'autoroute. Tout de suite, même. J'attends que ça. Et ce sera la fin de cette vidéo. Avec ce duel sur l'autoroute. La fin de cette vidéo, car je risque. Parce que je prends très longtemps. Je vais larguer comme un bonnet. Oh, ça y est, je vais sur l'autoroute, ah ouais. Merde. Je me suis trompé de route. Quel con. Je me suis complètement gouré. Alors je disais que cette course c'était. Ça va, ce sera la dernière. Dans cet épisode numéro 7. Il m'a fait un peu raser au début, mais bon. Ah ouais, je vais te larguer, ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, tu vas me larguer. Ah ouais. C'est pas plutôt moi qui te largue là, hein Carmen? Tu es Carmen? Attention à toutes les unités. Un individu incognito vient d'être signalé en direction du sud, sous le tunnel mémorial. Unité demandée sur place. Oh, j'aime pas trop leur look, Captain Mec. Celui-là. Rectez-en,
là. Qu'on arrive toi parce que tu vas bien bientôt mourir je pense. Alors tu dois aller. Allez, avance-toi, allez. Ben voilà, bravo, vous avez sauvé le Carmen et nous c'est la fin de cet épisode, donc je vais vous laisser avec cette petite cinématique. N'oubliez pas de laisser un petit like, un petit commentaire. C'était qui ces gars-là? J'ai cru qu'on allait y rester. Et venir vous abonner si vous le voulez. J'ai vu les mêmes berlines noires sur les docks de Port Crescent. Mais, attends, tu crois que c'est comme ça qu'ils ont eu Hector et Zach? C'est des malades! Mais c'est quoi tout ça? En tout cas, c'est sympa d'être resté avec moi. J'ai si peur depuis qu'Hector n'est plus là. Et ben voilà. Donc comme je disais pendant la petite cinématique, n'oubliez pas de laisser un petit like, un petit commentaire.
Et n'hésitez pas à venir vous abonner si vous le voulez bien aussi. Pour moi, il n'y a aucun problème. Allez, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Portez-vous bien. Salut tous.